Je m'appelle José Böder, je suis contrebassiste, mais ce n'est que une de mes activités. En fait, c'est la première et la dernière. J'ai commencé musicien, j'ai fini musicien, j'ai fait d'autres choses entre-temps. Je suis né à Huy, j'y ai passé une vingtaine d'années, à l'époque où et la ville et l'enseignement et tout était différent. Et vu mon âge respectable, j'ai 77 ans, pardon, 77, ça fait mieux. J'ai connu la guerre et ce n'était pas une période très agréable. Les gens étaient pauvres et le cléricalisme était partout. J'ai pas un souvenir, disons, fabuleux de mes conditions de vie à ce moment-là. Et je suis donc parti. Eh bien voilà, je m'appelle Sébastien Jadot, je joue du trombone. Et je suis né à Huy, bien sûr, puisque notre formule 3G est basée et axée sur des musiciens huitois. Et donc j'ai commencé le trombone à la fanfare de Givre. Donc c'est un instrument de rue, on va dire. Et voilà, j'ai grandi là-dedans et je suis venu au jazz grâce à ces musiques de rue qu'on retrouve aussi à la Nouvelle-Orléans. Donc voilà, je m'appelle Guillaume Viercet, je viens de Viercet. Je suis guitariste, mais également compositeur et arrangeur. En tout cas, j'essaye un maximum. Et voilà, ça c'est moi. L'idée des 3G revient, elle germait, l'idée des 3G, ça a germé dans ma tête il y a déjà très longtemps. Dans les fanfares, nous avons un groupe multigénérationnel. Les anciens, ceux qui sont un peu édentés, donc ils passent d'un instrument plus grave, et puis il y a la version, on va dire, 40 ans, et puis il y a les jeunes, et même parfois des tout jeunes. Et alors je me suis dit, mais dans le jazz, on a moins ça, on n'a pas encore ça. Et je me suis dit, tiens, c'est une formule de revisiter le jazz et d'avoir un jazz qui groupe beaucoup plus de personnes avec générations multiples. Et donc, pour le festival de Huy, j'en ai parlé donc à Marc Loumaille, et il m'a dit, mais tiens, pourquoi pas, je fais confiance. Et donc, c'est de là qu'est née ces trois générations. Et comme José est bien sûr mon aîné, je me suis dit, mais tiens,
avec Guillaume. C'est une bonne formule que d'essayer pour une fois. Ça nous a donné l'occasion de préparer un répertoire, de travailler ensemble et d'avancer, de voir que ça allait coller. Parce que la formule est audacieuse, pas seulement les trois générations, mais aussi une contrebasse, une guitare et un trombone. Bon, c'est pas une formule fréquente. Donc c'était un risque. Et alors, il fallait aussi se mettre d'accord entre nous. Est-ce que nos caractères allaient s'accorder? Est-ce que les genres de musique de jazz, parce que c'est quand même assez vaste, on allait se mettre d'accord là-dessus? Bon, il y a beaucoup de conditions à réunir. Ben ça, j'ai un peu envie de dire, c'est le bonheur du jazz. C'est quand on fait du jazz et quand on joue ensemble, tout ce côté âge, tout. Il y a du respect évidemment. Il y a du respect pour son aîné, mais voilà, on fait de la musique ensemble, on est à égalité, il n'y a pas de. Voilà, et j'ai réagi tout de suite en me disant, ben oui, moi je veux faire de la musique avec qui que ce soit, si c'est pour faire de la bonne musique, moi je suis partant. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça dans le jazz, j'ai l'impression qu'on ne retrouve pas toujours partout en tout cas. Ce côté, on y change de la musique, on joue ensemble. Parce que dans le jazz, si on joue pas ensemble, on peut pas le faire. On est obligé d'écouter et de jouer ensemble. Donc, d'un certain côté, on doit être à l'écoute de l'autre, en étant naturel, en étant à l'aise. Je pense que c'est très important pour la musique. Je dois dire que le trombone et guitare et contrebasse se marient aussi très bien puisque ce sont quand même des instruments médium graves. Il n'y a pas d'instruments aigus comme la flûte ou la trompette. Et donc je me suis dit, tiens, c'est une formule aussi en plus d'aller vers quelque chose de beaucoup plus cool et beaucoup plus grave. Donc 3G, 3 graves, voilà un peu tout ce qui a germé avec aussi du gingembre, du guarana, j'ai plein de petits jeux comme ça avec des G, quoi. C'est ça que voilà, c'est une manière généreuse de revoir le jazz. Le répertoire a été choisi également par chacun. L'idée, c'était que chacun apporte des compositions, apporte des arrangements et apporte des coups de cœur. Donc il y a ces trois éléments-là qui ont joué dans la constitution du répertoire. Franchement, je ne crois pas que l'âge a joué. Parce que le jazz, bon, c'est quand même la musique du XXe siècle, et nous sommes au XXIe, donc il y a tellement à choisir dans ce qui s'est passé, il y a un choix. Alors chacun de nous, bon, ayant une culture quand même, on a, entre guillemets, fait des études, tous les trois, et on connaît beaucoup de choses. Donc ça a été difficile de choisir, on a vraiment choisi ce qu'on aimait le mieux. On apporte tous sa pierre à l'édifice, et je crois que c'est très bien aussi, un peu comme l'auberge espagnole, on y trouve ce qu'on y apporte, quoi. Voilà comment est venue l'histoire des 3G. Chose qui a changé ma vie, ça a été évidemment la libération par les Américains. Américains, ça veut dire le jazz. Or, dans ma formation classique, j'avais été soigneusement mis à l'abri de l'improvisation.
Et là, je trouvais un moyen de m'exprimer. Donc, le jazz m'a vraiment éduqué. J'ai appris le jazz sur le tas. Il n'y avait pas d'académie, il n'y avait pas d'école de jazz. Il y en a eu aux États-Unis après, mais il n'y avait rien du tout. Et il n'y avait pas de partition. Je me souviens très bien chez Pelzer au Tiers à Liège, on était là à chercher un morceau, et c'était Pelzer qui était le moins nul au piano, qui essayait de trouver les accords. On en était là, quoi. Il n'y avait rien pour nous aider. Il y avait des disques, et on copiait comme ça, on essayait de trouver les accords. Quand les real books sont arrivés 20 ans plus tard, on s'est dit « Oula, oula, là j'avais faux, là j'avais faux, là j'avais faux ». Enfin, on pouvait jouer du jazz tout en ne respectant pas parfaitement les harmonies des écrivains. Voilà, c'est un peu ça. Le trombone, c'est une partie de ma vie très importante, une très grande partie dans la vie. Et mon papa jouait du trombone aussi, donc voilà un peu ce qui explique cela. J'entendais du trombone à la maison et à la fanfare. Et bien sûr, toutes ces petites musiques comme When the Saints ou Just a Closer Walk, ou quoi, ben on jouait ça. On jouait ça après les concerts dits classiques d'une fanfare, quoi. Les big bands, c'est bien sûr là qu'on retrouve le plus de trombones, puisque en général on est 3 ou 4 trombones. Donc j'ai participé à pas mal de big bands, dont celui d'Alex Corrier, ou aussi le big band de la Jazz Station avec Michel Paré, ou aussi le Floref Jazz Orchestra, et aussi des big bands avec la radio flamande. J'ai eu l'occasion aussi d'accompagner Michel Legrand, d'ailleurs, avec toutes des grandes formations, même des orchestres classiques. Et voilà pour les big bands. J'ai appris le jazz sans passer par une école, donc j'ai appris le jazz un peu sur le tas, comme on va dire, grâce à Fernand Launois qui s'occupait du festival de jazz à Huy, et donc il avait l'habitude de faire des jams, et donc vers l'âge je sais pas, 15-16 ans, par là, il m'invitait après, soit la fanfare défilait, et alors il y avait une jam ou des choses comme ça, et puis « Allez, fille, tu peux repasser après », et j'allais jouer soit « When the Saints » ou « Summertime » ou quelque chose comme ça. Et alors petit à petit, j'ai pris goût à cette musique, et alors là, je me suis un peu plus intéressé, et bon, j'ai regardé un peu les CD, des choses comme ça, donc c'est Didi Johnson qui était mon gourou, je veux dire, et donc là, j'ai essayé de reproduire et d'étudier un petit peu par moi-même toute cette formule de jazz, hein, les 2-5-1, et petit à petit, les différentes manières d'aborder le son en jazz. Et après, j'ai rencontré Gareth List, qui est un tromboniste américain, mais qui vit à Liège. Et là, j'ai fait plusieurs stages, alors à Libramont, qui étaient des stages d'improvisation, mais pas du tout jazz spécifiquement, mais jazz, improvisation libre et tout à fait dans tous azimuts. Donc, aussi bien on pouvait faire un standard, mais ça pouvait découler sur d'autres formules et d'autres formes de musique improvisée. Voilà comment je suis venu au jazz. Thank you.
mes débuts, c'est assez simple, puisque mon père était guitariste de country, amateur, mais bon guitariste quand même. Donc j'ai vraiment commencé avec lui au tout début, vers, je dirais que ma première guitare, je l'ai eue vers 5-6 ans. Et bon, c'était vraiment les accords de base, je travaillais un peu ça avec lui, mais vraiment très peu. Et puis j'ai voulu apprendre la musique, donc j'ai voulu aller à l'académie de Wii. Et j'ai vraiment dû insister pour mes parents parce que je n'arrivais déjà pas à rester assis sur une chaise à l'école. Donc leur demander pour aller m'asseoir en 4, 5, voire 6 heures en plus par semaine pour apprendre la musique, pour eux c'était plutôt non. Donc j'ai dû assister pendant une année. Pour finir, vers 8 ans, je suis entré à l'académie de Wii, où j'ai fait tout le cursus solfège et instruments. Et c'est là que j'ai eu la grande chance de rencontrer Alain Pierre, qui a été mon prof de guitare pendant 10 ans. Et pendant les 5-6 premières années, je pense que voilà, j'étais plutôt à l'académie, je travaillais beaucoup plus en tout cas de la guitare classique. J'y allais avec ma guitare cornillon et on prenait des partitions classiques et c'est ce que j'apprenais. Et en parallèle de ça, moi j'ai commencé à écouter beaucoup de rock. J'ai commencé par les Beatles, en tout cas, ça a été une de mes premières grandes révélations. Et donc voilà, à côté de ce que j'étudiais à l'académie avec Alain, il y avait tous mes groupes de pop à côté où je voulais vraiment, un peu comme tous les jeunes, je pense, le rêve de devenir une rockstar. Je crois qu'on l'a tous, vécu. Et à ce moment-là, moi, c'est ce que je voulais. Et c'est à un moment, je pense qu'Alain Pierre a bien compris qu'il fallait peut-être m'orienter dans une autre direction, je sais pas. Mais c'est là qu'on est tout doucement allé vers le jazz et c'est lui qui m'a ouvert les portes à cette musique. Ça a été pour moi... Il a fallu du temps. Il m'a fallu beaucoup de temps avant de l'apprécier à sa juste valeur. Et après, j'ai vraiment, vraiment mordu à l'hameçon. Et donc, la dernière année avec Alain Pierre, en même temps, je suivais des cours avec Philippe Doyen à Amay. J'ai fait une année à l'Académie de Jazz de Amay pour pouvoir rentrer. J'avais l'espoir de rentrer au Conservatoire de Bruxelles, ce qui a été fait l'année suivante. Et donc voilà, là, ça a vraiment été pour moi la plus grande révélation. Je veux vraiment faire le jazz. Pour moi, je voulais vraiment m'atteler à cette musique et la faire un maximum, puisque comme c'est le travail de toute une vie, elle n'est jamais sans fin, et moi, ça me convient très bien. Le musicien important pour moi, mais le connaît-on, tout le monde le connaît, est-ce que tout le monde le connaît à Liège, c'est Fernand Launoy. Fernand Launoy, qui était plus âgé que moi, évidemment, et qui, lui, à la Libération, jouait déjà avec les Noirs. Moi, j'étais un gamin à ce moment-là, je sortais de l'école primaire, donc il a une sérieuse avance sur moi. Et c'est lui qui a sans doute décelé, c'était facile à déceler, mais enfin, mon amour du jazz, et m'a entraîné dans son sillage, Fernand Launoy, qui a fait une longue carrière, qui n'a jamais quitté Wii, qui a même fait de la politique à Wii. Et c'est grâce à lui. Lui, il connaissait déjà le jazz, il avait pratiqué, il avait une voiture, il avait toutes les qualités, il habitait près de chez moi. Et donc, c'est dans son sillage que j'ai commencé.
Et puis alors, la seconde étape de ma carrière jazzistique utoise, ça a été d'autres amis de mon âge alors, donc moins plus jeune que Fernand, qui se réunissaient régulièrement pour danser sur du jazz, danser, on dansait sur du Lester Young, et qui ont fondé le Jazz Club de Huy, au Café Beugon, au coin de la rue Griange, sous les combles. Et là, se sont succédés les meilleurs musiciens du moment, donc dans les années 60, 50-60, français, belges et américains. Et alors, la rythmique avec Fernand Launon à la batterie et moi à la basse, on était toujours là, on a joué avec tout le monde. Et alors, en plus, il y avait l'harmonie qui était sur la promenade de Lille. L'harmonie était détruite entre-temps. Et là, c'était, il y avait un musicien qui tenait l'harmonie, qui était cafetier, mais un brillant musicien, Jostov. Je ne sais pas de nouveau si à Liège on l'a connu comme à Huy. Jostov tenait le café, dirigeait l'harmonie de Huy, est un musicien complet, mais plutôt commercial, pas très classique. Il donnait des cours d'accordéon, etc. Et alors il aimait le jazz, donc il s'est mis à organiser des thés dansants tous les dimanches après-midi. Avec nous, bien sûr, plus des dansants qui étaient, bon, de la musique commerciale, mais jazz aussi. Et alors, il y a eu des galas, mais des véritables galas, on ne se rend pas compte maintenant. On invitait Coleman Hawkins, on jouait avec lui. On invitait Don Byas, on jouait avec lui. Enfin, le rêve, quoi, le rêve. Alors après, il y a eu Liège, évidemment. Bon, on y arrive. C'était l'époque du trio d'enfer, Pelzer, là tout le monde connaît fatalement, Thomas, tout le monde connaît, et pour moi le meilleur, le meilleur au niveau qualité et au niveau du cœur, Bobby Jaspar, sax ténor. Donc je me suis retrouvé avec un sax ténor, Bobby, un sax alto Jacques, un guitariste donc René, et puis c'était tout. Donc j'étais là comme contrebassiste, et ça veut dire que j'ai joué avec tous les pianistes qui arrivaient, de nouveau français ou américains, tous les batteurs qui arrivaient, c'était une époque formidable. On jouait dans le carré, à Liège, on jouait pratiquement tous les jours. Quand on n'avait pas un concert payant quelque part, on jouait chez les Frères d'Armoise. C'était un café avec les Frères d'Armoise dans le centre. Et on jouait tous les jours. C'était absolument fabuleux. Moi, je suis arrivé à Bruxelles donc, quand j'ai commencé mes études au conservatoire. Et je suis resté à Bruxelles pendant 4 ans. Et j'étais plus dans un état d'esprit apprendre la musique. Et les jams, c'était un truc pour moi... J'avais vraiment peur d'aller dans les jams déjà parce que j'avais très peur. J'avais aucune confiance en moi. Je n'aurais jamais osé aller jammer avec qui que ce soit.
Et donc, c'était vraiment une période pour moi où j'étais assez autiste parce que pendant 4 ans, j'ai travaillé énormément, énormément chez moi. Je ne faisais que ça. Je ne voulais rien faire d'autre. Je voulais absolument avancer. J'avais ce but de niveau. Et tant que je n'ai pas ce niveau, je n'irai pas dans les jams. Mais quand j'y repense maintenant, c'est une pensée assez négative. Ce n'est pas comme ça qu'il faut penser, justement. C'est foncer dans le tas. C'est aller jouer un maximum. Et donc, après 4 ans, j'ai quitté Bruxelles. Je suis venu habiter un an à Liège. Et bizarrement, c'est là que j'ai commencé à vraiment beaucoup plus aller dans les jams, à dépasser ce côté très frustrant d'aller dans les jams. J'ai un peu dépassé ce côté chez moi, et donc voilà, j'ai commencé vraiment beaucoup ici à Liège. Et puis voilà, je suis retourné à Bruxelles parce que c'est quand même là que ça se passe le plus. Donc voilà, maintenant c'est sûr que quand j'ai le temps, il y a les jams au Chapitre, il y a les jams au Sons. Il y a des jams tous les jours, en fait, si on veut, à Bruxelles. Il y a le jam au Cercle des Voyageurs aussi. Et puis, bon, j'ai aussi la chance d'habiter avec une section, entre guillemets, puisque j'habite avec Antoine-Pierre et Félix sur Strassent. Et donc, voilà, quand on a le temps, on peut jouer ensemble. Évidemment, la musique est omniprésente chez nous. Là, pour le moment, je vis vraiment quelque chose dont j'avais besoin, en fait. C'est vraiment encore être à 100% dans la musique, mais en plus de la pratiquer, d'aller la jouer, plus les concerts, plus... voilà, pour le moment, c'est un peu ça, la vie à Bruxelles. Dans les grands guitaristes que j'écoutais, je veux dire, j'ai essayé en tout cas d'écouter un maximum la tradition. J'ai énormément écouté Jim Hall, j'ai beaucoup écouté Joe Pass, évidemment Charlie Christian, c'est sûrement un de mes premiers relevés aussi. Et après, ben voilà, maintenant... la tradition, elle n'est jamais oubliée, puisque c'est quand même tous les fondements. Donc j'écoute encore énormément de guitaristes qui jouent plus dans la tradition. Je pense notamment à, par exemple, Jes Van Ruler ou Martin Van Uttersen, qui sont deux guitaristes hollandais. Et alors aussi, bon, y a tous les guitaristes contemporains. J'écoute Patti Metheny, John Scofield. Pour le moment, j'écoute énormément Kurt Rosenwinkel, qui est pour moi, à mon avis... sûrement une de mes premières influences actuellement, mais bon, comme tout est mouvant et que ça change tout le temps, je ne sais pas qui j'écouterai le plus demain, mais en tout cas pour le moment, je dirais voilà, un peu tous ceux que j'écoute. Mais bon, j'écoute pas que des guitaristes non plus, j'écoute énormément de pianistes. J'ai toujours d'ailleurs écouté beaucoup de pianistes. Je sais bien qu'un des premiers disques de jazz que j'ai écouté, c'est un album de Keith Jarrett qui s'appelle How of Towner en trio. Je sais que c'est un des premiers disques. Voilà, et c'est à peu près tout. J'ai amené une composition qui s'appelle Enough, qui est une balade, et qui se prête également très bien à la formule du trio, puisqu'il y a des voicings qui sont déjà préécrits à la guitare, qui sont normalement joués par un pianiste, mais là ici je l'ai fait à la guitare. Et donc c'est déjà bien soutenu harmoniquement, et en plus, comme c'est une balade, je trouve qu'en trio le morceau sonne vraiment très très bien. Il y a une bonne cohésion qui sonne dans ce morceau. Voilà, j'avais jamais l'habitude, je n'ai jamais joué en trio, directement ça a fonctionné. J'ai fait un coup de cœur qui est Autumn Leaf, donc les feuilles mortes, parce que c'est une chanson française.
et aussi bien sûr un standard américain. Et donc Autumn Leaves, je l'ai remis avec encore une autre sauce et une réharmonisation. Et nous avons abordé ça avec un peu de panique au départ parce qu'on se dit, tiens, tout le monde connaît Autumn Leaves, mais dans cette version-là, on a dû un peu revoir nos apprentissages précédents et refaire un peu une autre formule, quoi. Alors, comme je suis évidemment nombrilique, pas plus ou moins que tout le monde, mais gentiment nombrilique, c'est vrai que si je devais répondre à la question, trouve un morceau que tu as choisi là-dedans, je prendrais une composition à moi. Alors, la composition à moi, c'est quand même un peu nombrilique, mais c'est amusant. C'est 251. Alors, tout le monde ne comprend pas c'est quoi ce truc-là. Parce que j'utilise cette formule tout le temps. Et les musiciens comprennent, c'est 251. Qu'est-ce que c'est 251? C'est Ré, Sol, Do. Tu vois, dans la gamme, Ré, c'est 2, Sol, c'est 5, et bon, 251, Do, c'est 1. OK, ça, c'est la gamme de Do. Mais alors, tu changes, tu fais 251, et puis tu reprends le dernier et tu refais 2-5-1 avec le dernier, tu vois, ça te fait des accords absolument fous. Donc tu chantes Ré, Sol, Do, et puis tu improvises sur Do, Fa, Si, et puis Si, Mi, La, Ré, Sol, Sol, Do, Fa, c'est complètement fou. Alors, comme je suis un classique, je sais écrire du contrepoint, j'ai des notions d'harmonie, j'adore écrire des trucs un peu bizarres. Et donc, ce morceau s'appelle 2-5-1 parce qu'il est construit là-dessus, sur la tonique, la quinte, la carte, voilà. Je passe les détails, c'est pour les musiciens. 2-5-1, ils comprennent. Et 251, c'est un morceau que j'aime bien, qui est drôle, ça change tout le temps d'accord. Ha 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 ha.